Les mystères inexpliqués sur caméra. Une fois encore, les caméras sont les narrateurs des histoires les plus étranges et des mystères les plus sombres. Des milliers d'événements rares et inexpliqués sont filmés ou photographiés chaque jour, et aujourd'hui, vous en verrez 5. Il s'agit de 5 mystères non résolus enregistrés par une caméra ou un appareil photo. Numéro 5. Nous connaissons tous la légende du monstre du Loch Ness, qui est devenu célèbre dans le monde entier au XXe siècle. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dès le VIe siècle, on a observé une créature géante qui vivait dans les eaux de ce lac écossais. Au siècle dernier, une photo de la tête de ce monstre, affectueusement surnommé Nessie, a été rendue publique. Il a été révélé par la suite que l'image était malheureusement un faux. Mais cela ne signifie pas que les témoignages et les observations ont cessé. Le Conseil de la pêche au saumon du district de Ness, qui réglemente la pêche au saumon et à la truite de mer dans le district de Ness, a placé une caméra sous-marine dans le fleuve Ness le 1er septembre 2019 pour observer et analyser la faune. Ce qu'elle a enregistré était assez intéressant. Il est impossible de ne pas penser à Nessie lorsque l'on observe l'étrange créature qui passe à l'arrière-plan de l'image. Les scientifiques, tout aussi déconcertés que nous, ont entrepris une enquête au cours de laquelle plusieurs échantillons d'eau ont été analysés pour voir si un poisson-chat géant ou un requin était présent. Incroyablement, ils n'ont trouvé aucune trace de ces espèces, mais on a découvert quelque chose de plus étrange encore, d'énormes quantités d'ADN d'anguilles. Ce qui est drôle, c'est que les anguilles ne sont censées se rendre dans le fleuve Ness qu'en décembre et en janvier. Rappelez-vous, la vidéo a été prise en septembre. Numéro 4. Le lac Baïkal est situé en Sibérie et a été le lieu de nombreuses observations étranges. Nous avons déjà parlé de cet endroit sur cette chaîne, mais ce que vous allez voir aujourd'hui dépasse tout ce qui précède. Elle a été prise par des scientifiques de la Société russe de géographie qui effectuaient des recherches près du lac. La créature que vous verrez est le diable du lac Labinkir, un monstre de légende qui vivrait dans la région et s'attaquerait aux imprudents. Vérité ou mensonge, jugez par vous-même. Numéro 3. Un employé chargé de maintenance pour une compagnie aérienne mexicaine était à l'intérieur d'un avion commercial et faisait son travail, réparant une défaillance technique qui avait provoqué l'extinction des lumières. Au milieu des travaux, il a commencé à entendre des bruits étranges à l'intérieur de la cabine. Il a donc sorti son téléphone portable et s'est mis à enregistrer la vidéo que vous verrez ci-dessous. Quelle était cette chose au bout du couloir? On peut en déduire qu'il s'agissait d'une figure humanoïde et qu'elle ne voulait manifestement pas être vue. Au cas où vous vous poseriez la question, oui, le technicien était complètement seul quand il a tourné la vidéo. Plus tard, lorsqu'il a alerté l'équipe de sécurité, aucune preuve de présence à l'intérieur de l'avion n'a pu être trouvée. Numéro 2. Cette séquence a été filmée par une caméra de sécurité dans la cour d'une ferme. Tout d'abord, regardez la vidéo. La première chose qui passe, c'est le bétail. Ce qui est drôle, c'est son comportement étrange. En général, les vaches ne se mettent pas à courir seules, sauf si elles sont poursuivies. On pourrait penser qu'un coyote ou un loup les suivait. Mais ensuite, la chose la plus étrange s'est produite. L'une des vaches semble pousser quelque chose par-dessus la clôture. Ce qui ressemble d'abord à un nuage de poussière devient ensuite un inconnu. Qu'est-ce que cette forme étrange qui tombe au sol? Personne ne le sait. Le lendemain matin, il n'y avait rien. Laissez votre analyse dans les commentaires. Numéro 1. Cela s'est produit en Russie, au milieu de la région de Sibérie, qui est composée presque entièrement de toundra et de forêts sauvages. Il y a deux images. La première a été enregistrée par un groupe de personnes dans une voiture. Regardez-la. Malgré le fait que l'image soit quelque peu floue, on peut sentir d'après la réaction des gens que l'humanoïde vu est plutôt une créature monstrueuse et en même temps agressive. On peut également voir que la façon dont cette créature marche est similaire à celle d'un singe.
N'oubliez pas que nous sommes en Russie, où il n'y a pas de primates sauvages et où il ne pourrait pas y en avoir en raison des conditions climatiques difficiles. Zone 0. La vidéo que l'on va voir à cette position est l'une des plus étranges sur Internet. C'est arrivé au Portugal, dans une zone rurale en bordure de forêt. La personne qui l'a prise a commencé à entendre le hurlement d'un loup dans les environs. De plus, son chien est devenu nerveux et s'est mis à aboyer sans cesse. Espérant enregistrer un loup sauvage, il est sorti armé de plusieurs appareils photo qu'il a laissés dans des endroits stratégiques. Mais ce qu'il a enregistré n'était pas du tout un loup ordinaire. Sur la vidéo, vous pouvez entendre quelque chose bouger dans les broussailles. Quelque chose de lourd. Et vu la façon dont il se déplace, on peut sentir que ce n'est pas exactement un loup. Pourtant, nous continuons d'entendre ce hurlement terrible. Au bout d'un moment, ce hurlement se fait entendre à quelques mètres de la caméra et le bruit du mouvement nous avertit que quelque chose s'approche de la lumière. Et puis cette chose apparaît. Qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à présent, personne ne le sait. Mais il est inévitable de l'assimiler au loup-garou. De nombreuses choses effrayantes sont filmées quotidiennement. Il y a même des créatures effrayantes qui ont été captées par des caméras tout au long de l'histoire, comme c'est le cas d'un monstre marin. Si vous souhaitez connaître cette histoire, je vous invite à regarder cette vidéo.